prêt pour le match Canadien Stars. On vous souhaite une excellente soirée et on offre nos meilleurs voeux à nos amis d'origine irlandaise, évidemment, en ce jour de la Saint-Patrick. Hoffman était attendu au centre par Pavelski, mais là, il reprend. Passe très longue vers Gallagher, qui remet. Ensuite, il a Hoffman, frustré à son tour par Oettinger. Voilà, Radulov, derrière le filet, tente de remettre devant, mais bonne position en défense pour Weidman. Là, le tir du revers. Oh, et la rondelle des billes, le but! Ben, écoute, Raffel qui a été frustré à plus d'une occasion en première période. Une rondelle qu'on dirige vers cette circulation-là. Vous allez voir Raffel dans ce geste circulaire. Je suis pas certain qu'il avait aperçu Faxa, mais ça devient une passe parfaite. Et je vous dirais que Faxa, avec son travail auquel il a contribué en infériorité numérique, s'est démarqué en première période, tout ce trio en fait. Ben, je suis pas sûr que Radulov touche. On va tenter d'en savoir un peu plus sur l'état de santé de Gallagher. Bon, alors, supériorité le Canadien. Le ciel est la vie! Et devinez qui? Ben voilà comment répliquer à l'adversaire. C'est l'égalité. Transversal, et cette fois-ci, on n'y peut rien. Là où Dvorak peut avoir un impact en supériorité numérique, c'est en remportant la mise en jeu initiale comme il l'a fait. La passe de Suzuki est parfaite. Et le tir de Caulfield ne laisse aucune chance à Oettinger cette fois-ci. Ça prend. Là, finalement, c'est Lindell qui relance l'attaque à 5. Il reste 5 secondes seulement à la pénalité. Le tir de Radulov est bloqué. Klingberg reprend, remet dans l'enclave. Lindell rate. Filet ouvert et le but! Et ça, tout ça au moment où la pénalité prenait fin. Et c'est 2-1. Pause en filant cette rondelle entre les jambières. Vous voyez le tir initial qui rate la cible et le capitaine Jamie Benn qui réussit à pousser cette rondelle hors à la glace entre les jambières de Allen et la rondelle qui franchit la ligne des buts. C'est malheureux pour le Canadien. C'est pas le résultat l'important d'ici la fin de la saison et c'est pas comme ça qu'on va mesurer le succès. Dès la mise en jeu, on a vu Hakanpa prendre la rondelle, mais Caulfield, Suzuki, le tir! Suzuki, mais le travail lors de la mise en jeu de Romanov n'est pas à négliger non plus, ni celui de Caulfield. Et Romanov qui tient le fort avant la ligne bleue pour empêcher le dégagement des Stars. Caulfield qui remet à Suzuki qui est bien patient. Il voit Oettinger s'étendre de tout son long, glisse la rondelle. Harley reprend après sur cette passe de Klingberg, mais Harley fait une chute et ça permet à Dauphin de reprendre. Et la passe ensuite à la ligne bleue. Et le tir est la vie! À dévie lorsque les deux joueurs tentent de la bloquer. Et voilà une autre contre-attaque. Jake Evans avec un tir bloqué. La rondelle lui revient, mais rate sa passe. Gallagher avec les cannes. Gallagher tire. Il rate tout juste à la gauche du filet. Et le retour n'est pas venu en faveur de Lekkonen. Et aussitôt les Stars en contre-attaque. Voilà Klingberg, le tir et le but! Il n'est pas très bon en défense, mais c'est un défenseur qui en attaque est extrêmement dangereux. Et c'est l'égalité à nouveau. Que l'arrière du patin Jamie Benn avait encore un contact avec la ligne bleue, mais il va falloir revoir. Et la rondelle est projetée à l'autre bout. Byron s'amenait rapidement et on ira en prolongation. Et c'est pas mal un dénouement. Et Dvorak l'emporte, mais la rondelle est donnée littéralement à Klingberg par Petrie. Seguin laisse derrière Benn à Klingberg. Le tir bloqué par Allen et le but! Et encore une bourde en territoire du Canadien. Et ça commence... Et ça commence à venir pas mal souvent du même joueur. Seguin semble embêter Jake Allen. Le tir initial, est-ce que le bâton de Tyler Seguin a empêché? Bon, j'ai l'impression que ça va prendre au moins une bonne minute encore là pour les officiels en contact avec le quartier général de la Ligue nationale. Quel dénouement!
Ben, le microphone ne fonctionne pas. Le but est bon. Bon, le but est bon. Ben,